You're listening to WRVR in New York and Charles Mingus with his quintet live from the Two Saints. Hey, how you doing? What's up, man? Yeah? Yeah, I'm on my way out to rehearsal now. Playing in Columbia tonight at 8 o'clock. Nous voyons applaudir sur scène des enfants qui savent à peine jouer, vient de dire Mingus. Howard n'est plus un enfant. Il est né en 1943 à la Nouvelle-Orléans et a grandi au rythme du Dixieland et des fanfares du Mardi Gras. Il n'a que faire de la mise en garde désabusée de Mingus sur le miroir aux alouettes que représente le jazz à New York, où il habite depuis 1965. C'était alors la découverte de la communauté des musiciens du fameux Lower East Side, Pharoah Sanders, Marion Brown, Giuseppe Logan, Bill Dixon, les frères Heller, quand ils décident d'intégrer un son personnel au milieu de ce climat d'avant-garde. Oh yeah, I'd like to check it out, man. Who's gonna be in group? Shocky and Earl Friedman and bass player from California. And a Chinese guy playing guitar. Wow, yeah. What, you gonna try some new charts or things you've been into? Yeah, some old things, some new things. Right, right. What's your music into these days, man? Moving. Moving, huh? Disquaire à 16 heures au rayon jazz chez Sam Goody, Noah trouve toujours le temps de rendre visite à quelques amis. L'orchestre du pianiste Lonnie Liston Smith développe un style musical serein et cosmique, très en rapport avec les actuelles préoccupations religieuses de la jeunesse américaine.
Lower East Side s'est vidé de ses musiciens qui se sont éparpillés pour laisser la place aux touristes, aux commerçants et aux drogués. Il n'y a plus place pour nous ici. Nous n'avons plus besoin d'une communauté géographique pour communiquer, dit Noah. Comme les graffitistes des murs et du métro new-yorkais, il existe toute une bande de jeunes peintres en son, comme il se définit lui-même, qui essaient comme lui de se faire une place dans le difficile business de cette expérience spirituelle de communication qui est devenue le nouveau jazz, en dehors du système des boîtes de nuit, des séances de studio et des impresarios. Aujourd'hui, pour survivre, l'avant-garde doit s'organiser elle-même. Noah est membre de la New York Musicians Association, 7 directeurs, 500 musiciens, qui l'année dernière avait monté un festival rebelle et qui a réussi à convaincre l'organisation du festival de Newport d'y rattacher cette année les concerts d'avant-garde. Thank you.
Noah passe son temps en trajet dans New York ou au téléphone et ne trouve guère plus d'une heure par jour pour travailler son instrument. L'ingéniosité des relations publiques supplanterait-elle celle de la création musicale? Village Vanguard, Monday, Thad Jones, Mel Lewis Big Band, from Tuesday, Sonny Rollins. Riverboat, K-Power, Royal Rock, quelques repères musicaux pour Noah, d'Ornette Coleman à John Coltrane, devenu la bible des jeunes musiciens de jazz et dont il paraphrase les thèmes avec ferveur et espoir.